Allez, bonjour à tous, avec un grand direct depuis la neige, depuis le col des Aravis, en direct sous la neige, 1498 mètres d'altitude. Et pour nous accompagner, Magali Tauchon et la Tyrolienne. Le col des Aravis avec de la neige. Alors la neige tombe ce matin en montagne, abondamment au-dessus de 1600 mètres d'altitude. On le voit ici, regardez, c'est tout blanc ici au col. Et au-dessus, il est tombé déjà une dizaine de centimètres, à 2000 mètres ce matin. Et c'est pas terminé, puisque la neige continue à tomber. Nous allons descendre le col et quitter la neige. Regardez sur le côté ce qu'on voit ici, comme c'est beau. C'est absolument magnifique. Le col des Aravis, on dirait comme si vous y étiez, avec cette neige qui tombe, et qui va tomber durablement pendant les prochaines 48 heures. Magali Tauchon, la Tyrolienne, qui nous accompagne. Nous ferons le point, bien sûr, en direct régulièrement à partir de ce soir, demain matin, demain dans la journée aussi, pour ces intempéries. Non, non, jusqu'à 80 cm de neige dans les Alpes du Nord. Et on annonce jusqu'à 30 cm à 1500 mètres d'altitude. Ce sera excellent pour les pistes de ski. Nous quittons le col, nous descendons et la neige qui, bien sûr, va disparaître. Bonjour Julia, bonjour. Bonjour. C'est vraiment magnifique, profitez bien. Bonjour du Gard, la place du village. Bonne promenade dominicale, toujours en direct. Depuis cette fois-ci, on va arriver dans un instant à la Clusaz. Une délicate ce matin. L'accordéon nous accompagne, la neige est là, on en reparlera bien sûr. Bonne route, nous dit Monique, merci beaucoup. Bonjour de Versailles, bonjour du 83 dans le Var. Bonjour du Nord. Bonjour Bernard Degand depuis Montmelard, c'est la Bourgogne, la Saône-et-Loire. Et l'accordéon, avec cette neige qui est juste au-dessus de nous, nous descendons en direction de la Clusaz. Toujours dans la descente du col des Aravis avec l'accordéoniste Magali Tauchon. Alors on annonce de la neige justement à peu près 30 à 40 cm à 1500 mètres et on annonce aussi à 2000 mètres jusqu'à 80 cm dans les Alpes du Nord. La neige qui va se renforcer ce soir, cette nuit aussi. Nous arrivons à la Clusaz où ça mélange comme on dit ici, c'est-à-dire que c'est de la pluie et de la neige qui tombe. On le voit sur le pare-brise, on arrive ici à la Clusaz. Hier soir on était du côté du Grand Bornand. Tout à l'heure, mon jumeau était à Thônes, à côté de Thônes, pour la commémoration du Maquis des Glières. Vous êtes nombreux à nous écouter. Merci à tous pour vos messages. C'est l'heure de l'apéritif. Alors, mollo sur l'apéro, mollo sur le Dijon. On peut quand même se lâcher. Toujours avec Magali.
Et regardez, on va traverser la Clusaz dans un instant. Ces beaux chalets, cette neige qui tombe mélangée, et l'accordéon et la tyrolienne. Nous y sommes en montagne, on y est bien. Alors que la pluie a remplacé la neige ici. Un bonjour de la part de Marina qui se trouve à Saillon, les bains de Saillon, le Valais. Merci, il y a plein de messages. L'accordéon, la musique, la montagne, c'est dimanche matin, on en profite. L'accordéon a quelques soucis. La Clusaz, comme si vous y étiez dimanche matin. Regardez ce beau village. Allez, la belle station des Aravis qui tourne toujours. On verra dans un instant les skieurs sur les pistes. On va les croiser certainement. La route croise la piste. Toujours la pluie qui nous accompagne. La neige au-dessus de 1300-1400 mètres. C'est de la neige au col. Tout à l'heure, c'était blanc. Au Saisy, c'est blanc. On a vu des vidéos aussi sur la Botteval-sur-Arc. On a vu aussi les vidéos sur Val Thorens. Tout est blanc en altitude, on attend 30 à 50 cm de neige à 1500 mètres d'altitude. Malgré le mauvais temps, bonne humeur avec la yodeleuse, c'est gentil de nous le dire Hélène, merci beaucoup. Nous entendons la Clusaz, regardez, on va voir dans un instant la piste de ski, la voilà, regardez, la voilà, qu'un moniteur ici, on vient de la voir. Pas beaucoup de monde évidemment, le temps n'est pas très propice au temps. Au ski, il pleut dans le 70 qui est classé en vigilance jaune, je crois, pluie et vent. On le rappelle, attention, beaucoup de vent cet après-midi et ce soir, depuis toute la côte atlantique jusqu'à la côte méditerranéenne, y compris la Corse. Beaucoup de pluie qui va revenir en fin de journée et beaucoup de neige. Nous serons en direct ce soir sur cette page pour faire le point dans les intempéries. Bonjour, pluie à Morzine. Salut Sylvain, en pleine émission de radio d'accordéon. On te fait de la concurrence, Sylvain. Dis donc, c'est génial ça. On ira te voir entre la première, mais on ira te voir Sylvain Braise avec son émission d'accordéon tous les dimanches matins. Le dimanche matin, vous le savez, c'est le moment. C'était le moment de l'accordéon. Toujours ici à La Clusaz, la belle station de La Clusaz. On rappelle qu'à deux pas d'ici, au Grand Bornand, se déroule actuellement Glisse en cœur. C'est 24 heures de glisse, presque non-stop. Cette année, il a fait une petite pause entre 1h du matin et 5h du matin. Pour la bonne cause, pour la solidarité, on espère justement rapporter, gagner beaucoup d'argent pour aider justement celles et ceux qui en ont besoin. La Clusaz, on y est. En direct, regardez, on va s'en mettre un petit coup de Magali Tochon. Harvey, pas de gruissant, merci beaucoup. Un coucou à la Gentiana, qui ne doit pas être très loin d'ici. Ici, oui, la préfecture de Vesoul a envoyé et prévenu vigilance pluie, orage ou orange, je ne sais plus, c'est peut-être bien marqué orage. Et je sais que les orages pourraient revenir aussi cette fin de semaine. La Clusaz, moins de monde, effectivement, avec ce temps qu'il fait ce matin. On va remettre un petit peu d'accordéon pour traverser ce beau village de la Clusaz. Si toutefois l'accordéon veut revenir. Ah, un petit souci d'accordéon, toujours dans ce beau village. Voilà. On a ici en face les pistes de ski. Vous voyez ce qu'il en reste aujourd'hui. Effectivement, ça a été un petit peu laminé, on va le dire, par cette douceur de l'hiver et cette absence de neige. Bonjour de l'Aisne, 15 degrés actuellement à Aix-en-Provence. Merci Nicole pour cette information. Pluie et vent dans le Cher, coucou du Morvan. Salut Pierre. Beaucoup de messages, en tout cas, merci de nous les communiquer. Nous les lirons tous, ces messages. Regardez, nous sommes ici à La Clusaz en direct. Et on va s'en mettre un petit bout d'accordéon. Bonjour à tous. Et depuis Prat sur Arly, j'imagine, oui, effectivement. Merci Mika, Caro, c'est très gentil à vous, en tout cas. Et on va remettre un petit peu d'accordéon pour finir cette traversée
de Laclusa. On voit les pistes de ski ici. Vous êtes en direct ici. Et Magali nous accompagne, la yodeleuse des Aravis. Regardez. Oui, il faut voir la sono. Sébastien, tu as raison. La sono a un petit souci. Ça revient. Écoutez bien. On est parti. Ouais, elle a un petit souci, la sono. Oui, alors là, c'est le CD qui déraille, c'est pas nous pour une fois. Je regarde d'Australie, Corinne. Alors, je sais pas quelle heure il est en Australie. Ce beau pays aux antipodes de la France, si je me trompe pas, il va être le soir déjà tard. Et là-bas, vous allez bientôt glisser tout doucement dans l'automne, dans ce beau pays de l'Australie. C'est très gentil de nous suivre depuis l'Australie. Nous sommes en Haute-Savoie, dans les Alpes du Nord, précisément dans les Aravis. Et nous allons arriver dans un instant dans le village de Saint-Jean-de-Sixte où on terminera la connexion. On rappelle que la neige tombe en altitude au-dessus de 1300-1400 mètres, qu'elle sera abondante jusqu'à mardi matin quasiment, avec 30 à 50 cm à 1500 mètres, 80 cm localement à 2000 mètres d'altitude. C'est vous dire si on a un retour de l'hiver qui va faire du bien aux pistes de ski. Vous êtes toujours nombreux à nous suivre. Il est 20h actuellement, 20h en Australie. Eh bien, écoutez, on salue Corinne qui est là-bas, qui va probablement débuter sa soirée. Alors, je ne sais pas quelle température il fait en Australie, mais nous, on est à une température de... Allez, il fait 3 degrés au thermomètre de la voiture. Bonjour de Haute-Marne. Elle est où la neige? Alors, elle est en altitude un peu partout ce matin, au-dessus de 1400 mètres. Et c'est blanc au-dessus de 1400 mètres environ. Et elle va descendre ce soir jusqu'à 800 mètres demain. Donc, un épisode de neige assez soutenu, on va le rappeler. On attend encore 10 à 20 cm à 1000 mètres dans les Alpes du Nord où nous sommes. On attend 30 à 50 cm à 1500 mètres et pas loin de 80 cm à 2000 mètres d'ici mardi matin avec un coup de froid. Et à nouveau après, un redout et de la pluie. Vous voyez, le temps de mars est un temps de giboulée. Regardez le plateau de... Non, on n'est pas sur le plateau de Borgard, on est là-haut sur le sommet du Lachat de Thônes et qui est dans la neige. Oui, Sylvain, tu peux nous appeler quand tu veux, on se contacte quand tu veux pour échanger au téléphone, pas de souci. Sylvain qui est en pleine émission de radio de musique d'accordéon. Nous, on a un petit souci d'accordéon, mais on va trouver le moyen de rectifier. L'hiver est de retour au printemps. Nous arrivons à Saint-Jean-de-Sixte. On va vous laisser dans un instant. Merci de nous avoir suivis. Vous êtes très nombreux à nous avoir suivis. On vous souhaite un très bon dimanche. On rappelle les directs permanents ou presque sur cette page. Avec Alain Molo, on a en Lozère Lily Rose qui nous suit, correspondante en direct. Elle nous fera peut-être des vidéos de neige puisqu'il va neiger sur la Lozère à partir de ce soir. On a Hervé Dufour à Bonneval-sur-Arc. Alors lui, il est déjà sous la neige, donc il prendra le direct certainement dans la journée. Mon jumeau, lui, qui était présent ce matin et qui sera présent ce soir. Et ce soir, on refera un petit point en direct, évidemment, en début de soirée, pour vous donner l'état des routes en montagne, on le rappelle. Et ailleurs, bonjour de la Lozère. Bonjour Jacqueline de la Lozère. Eh bien, nous avons Lily Rose qui est notre correspondante permanente désormais en Lozère. Elle prend l'antenne quand elle veut. Laurent nous dit hâte de vous retrouver au mois de mai à Combloux. Oui, on sera présent aussi au mois de mai, notamment pour ce grand concours du 1er mai, si je ne me trompe pas, à Combloux. Et on se retrouvera bien sûr régulièrement. Merci à toutes et à tous. Bon dimanche et à très très vite. La belle église de Saint-Jean-de-Sixte dans les Aravis. La neige qui tombe à 1400 mètres. Lily Rose nous dit qu'en Lozère, pas de neige pour l'instant avec de la grisaille et un ciel gris. On l'aura bien sûr, Lily Rose, rapidement sur ce direct. À très vite, belle journée et on fera le point très très vite. Bon dimanche et c'est l'heure de l'apéritif. À très 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 bientôt. À bientôt, merci.